rapide, pas particulièrement cher. Et voilà, les choses sont plutôt simples. Et donc un week-end type dans la famille Gill, à quoi ça ressemble? Alors, bonne question. En général, le samedi, tout le monde fait du sport. Alors, les filles sont à la danse, enfin au moins deux sur trois sont à la danse. Moi, soit je vais courir avec ma super potoche Xavier, soit je vais au yoga, Anthony fait du tennis. Enfin, on a tous des trucs. Au moins, chaque membre de la famille va faire du sport le week-end à un moment donné. Il y a beaucoup quand même d'anniversaires, hein. On fait beaucoup de taxis pour les enfants, les playdates. Et sinon, on voit beaucoup nos amis quand même. On se retrouve à la plage, on fait des barbecues dans les parcs, on se voit dans des restos. Enfin, c'est assez sympa. Nous, on aime beaucoup camper. Il y a beaucoup d'endroits hyper sympas pour camper en Australie, donc on est des gros campeurs. Donc bon, là, il fait un peu froid en hiver, un petit peu moins en hiver quand même. Mais ça, c'est très agréable. Tout ce qui est la nature sauvage, Sydney, bon, bah, voilà, on fait 1h30 de voiture, on est dans le bush. C'est quand même très agréable. Toujours des coins à découvrir. Moi, il y a une chose dont je ne sais pas exactement quelle est la vision de mon entreprise et ce que je veux en faire. Je veux bien sûr que ce soit un endroit où les gens aiment travailler. Je veux que ce soit un business qui soit stable et que voilà, il y ait du business et il y ait des projets, des beaux projets. J'ai envie qu'on construise de la qualité, que nos clients soient contents. Mais la chose dont je suis sûre, c'est que je veux que mon business me survive. Donc ce n'est pas quelque chose que je veux faire moi pendant 3 ans, avoir juste 3 très gros projets pour des très bons clients et puis fermer la boîte et partir et dire ça y est, je l'ai fait, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais dans 50 ans que la boîte existe encore, dans 100 ans même peut-être. Moi, ce qui est important pour moi en tant que femme en construction, c'est bien sûr qu'il y ait de plus en plus de femmes qui travaillent en construction. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que je suis vraiment dans une situation idéale pour encourager la participation des femmes en construction et surtout avec mes 3 filles. Enfin, je trouve ça d'ailleurs intéressant d'avoir 3 filles justement. Et une chose est sûre, c'est que j'aimerais bien qu'elles reprennent la boîte, soit qu'elles viennent travailler dans la boîte, enfin, en tout cas qu'elles ouvrir les yeux sur ce qu'il y a en construction pour les femmes, quoi. C'est vraiment mon but. Après, bon, je ne veux pas faire une boîte que de femmes, hein, c'est pas le but non plus. Voilà, donc j'ai encore beaucoup de choses à travailler par rapport à ce que je veux, mais parce que la seule vision qui est claire dans ma tête, c'est la longévité. Je veux que la boîte dure, qu'elle soit là pour longtemps. Donc, et si tu veux, cette seule vision dicte beaucoup de mon comportement, parce que je veux pas frustrer les clients, il faut qu'ils reviennent, je veux pas frustrer les sous-traitants, il faut qu'ils continuent. Enfin, on a tous. Je pense que c'est une vision, même si elle est assez simple, peut-être pas très sexy, ça anime beaucoup ça anime beaucoup la manière dont je me comporte en tant que businessman. Donc, on vient d'arriver à notre événement. Ouais. Donc, c'est mon nouvel employé en fait, je vais voir s'il veut faire un entretien avec moi. T'as un interview ou pas? Ouais, bah attends, je me mets en tenue là. Ok, bon, bah, on va rentrer. Hein. Donc qu'est-ce qui t'amène à ce genre d'événement? J'arrive pas à jouir.